Bonsoir et bienvenue à la médiathèque José Cabanis. Nous sommes contents d'accueillir ce soir Ombre Blanche qui nous propose un dialogue entre plusieurs auteurs du tout frais ouvrage Dictionnaire amoureux. Je vous laisse donc en compagnie de Jean-Antoine Loiseau qui va présenter tout ça. Bonne soirée et pensez à éteindre vos portables, c'est mieux. Merci. Bonsoir et merci beaucoup d'être là. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi nombreux, en tout cas moi je n'ai jamais été aussi nombreux dans une modération de débat avec autant d'auteurs autour de moi. Je suis très impressionné, je suis vraiment en très très bonne compagnie pour évoquer donc ce lexique amoureux de Toulouse, publié aux éditions Cairn, donc, qui se trouve à Pau. On aura l'occasion de commencer cette rencontre en donnant la parole à l'éditeur palois de ce très beau lexique amoureux de Toulouse. 15 auteurs en tout, il y en a 1, 2, 3, 4, ça fait, je ne sais pas combien, je n'ai même pas compté, enfin, comme ça change tout le temps les noms, enfin, on est presque une dizaine, voilà. Donc on est très heureux d'être là ce soir pour parler de ce livre. Il y a 91 entrées dans cet ouvrage, j'ai compté avant de venir. Voilà, c'est à la fois des lieux toulousains, des salles de spectacle, des personnalités, enfin, on aura l'occasion d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, je vais essayer, parce que comme je vous ai photographié très rapidement, donc en face à moi il y a Aurélien Borot, Greg Glamazère, c'est bien ça, Jacques Bétillon, Marie Didier, donc voilà, Monsieur Soulet qui dirige la collection, Jean-Luc Kirébel, l'éditeur qui est avec sa chemise blanche et son très beau foulard, Aurélien Jusforgue, pardon, j'étais sûr que j'allais faire Julien Jusforgue, je s'appelle Aurélien, il y a Aurélien Borot, Julien, voilà, excusez-moi, Mathilde Bonazzi, c'est bien ça, Dominique Porté qui a dirigé le livre, André Cabanis et Michel Julien Naudy. Excusez-moi pour les 2-3 erreurs au passage, mais voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors évidemment, Lexique amoureux de Toulouse, c'est forcément un ouvrage subjectif, il n'y a pas forcément tous les lieux toulousains dans cet ouvrage et toutes les salles de spectacle, toutes les personnalités, mais il y a un très très beau choix. On va peut-être commencer dans cet ordre, c'est intéressant, c'est Dominique Porté avec qui je discutais avant cette rencontre qui m'en donnait l'idée. Commencer tout d'abord par poser la question à l'éditeur, pourquoi un éditeur de Pau publie-t-il un livre sur Toulouse? Pourquoi pas, vous allez me dire peut-être, mais Jean-Luc Kirébel, je vous passe la parole. Donc prenez le micro et expliquez-nous comment s'est fait la rencontre, je ne sais pas, avec Dominique Porté au départ, voilà, comment le livre est né. Alors bonjour à tout le monde, merci d'être là. Alors d'abord, on est éditeur à Pau, mais on est éditeur des Pyrénées et du Sud-Ouest. Donc Toulouse est tout à fait dans notre champ. On ne se cantonne pas au Béarn. On a déjà d'ailleurs publié plusieurs livres sur Toulouse. Il y a quelques années, on a publié Toulouse et la Haute-Garonne dans la guerre. On a publié un livre sur le camp de Noé. Donc Toulouse fait partie du champ. Toulouse est tout à fait dans le tropisme. On a créé, dirigé par M. Soulet, la collection Lexique amoureux des villes. On a commencé par un lexique amoureux de Tarbes. Le lexique amoureux de Toulouse est notre deuxième opus. Et on travaille sur un lexique amoureux du bassin d'Arcachon et un lexique amoureux des Pyrénées. Voilà. Et donc, l'idée de ce lexique, c'est qu'on cherche une personne qui dirige l'ouvrage, et on a fait appel, on a demandé à Dominique pour porter de bien vouloir le faire, et il a relevé le défi. Il a relevé le défi avec brio, on peut le dire, dès le début de cette rencontre. Voilà. Donc, c'est une collection fondée et dirigée par Jean-François Soulet, qui est professeur donc émérite à la faculté du Mirail ou Jean Jaurès. Vous choisirez laquelle des deux vous convient le mieux. Enfin, on peut le dire les deux. Maintenant, c'est Jean Jaurès. Comment est née cette collection et qu'est-ce que vous souhaitiez au départ avec cette collection, Jean-François Soulet? Alors, très très rapidement, puisqu'il faut laisser la parole quand même au maître d'œuvre et à tous les auteurs. Donc, d'abord, l'idée n'est pas au départ véritablement originale. Tout le monde connaît chez Plon les fameux dictionnaires amoureux. C'est une collection qui a été lancée il y a plusieurs années, il y en a de très nombreux ouvrages, et j'en ai lu quelques-uns, très peu par rapport à la somme. Et donc, c'est déjà Plon a proposé à un auteur, un seul auteur, très connu en général,
dans le monde des lettres ou ailleurs, dans le spectacle, etc., d'écrire seul l'ouvrage et d'une manière très subjective, comme le titre l'indique. Alors, avec Jean-Luc Hérébel, donc directeur des éditions Kern, nous avons essayé d'adapter cette idée. Des ouvrages plus petits, on appelait ça petit lexique. On a gardé le terme amoureux, puisque le concept est à peu près le même. Mais on s'est adressé à une équipe, plus ou moins nombreuse. Ici, à Toulouse, elle est nombreuse. Et ensuite, on a voulu illustrer l'ouvrage. Alors que chez Plon, les ouvrages, il y a des dessins, mais il n'y a pas de photographie. Et ici, évidemment, ce sont des photos de M. Dieuzet, de Yann, qui sont remarquables, mais on en reparlera tout à l'heure. Bon, ça, c'est pour expliquer comment on a créé cette collection, à partir donc d'une idée de départ de chez Plon. Ensuite, deux remarques très brèves. Première remarque, moi, le concept m'a plu parce que donc, je suis historien de profession, j'ai pendant 45 ans ou 44 ans, donc j'ai essayé de faire de l'histoire, c'est-à-dire on m'a appris et j'ai appris ensuite aux étudiants, j'ai essayé d'apprendre plutôt qu'il fallait rester dans l'objectivité la plus totale, etc. Donc au bout de toutes ces années, j'ai eu un petit peu assez et il m'a semblé que c'était intéressant aussi de s'intéresser à la fiction, de mêler un peu la fiction. Et ce concept du dictionnaire amoureux, c'est un peu ça. Il faut qu'il soit objectif, on décrit des lieux, des personnes, mais en même temps, on laisse parler son cœur. Bon. Et remarque, hier, je feuilletais Télérama, le dernier numéro, et il y avait plusieurs interviews très intéressantes, d'ailleurs, au début, notamment d'un historien, là, d'un jeune historien. Et ensuite, un article sur, justement, un véritable genre qui est en train de s'imposer, paraît-il, qui essaye d'oublier un peu les séparations strictes entre l'objectivité, la subjectivité, etc. Il y a une tendance, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais il y a une tendance actuellement, c'est vrai, de mêler un peu tout cela. Et la collection répond bien. Et enfin, dernier point que je voudrais dire, moi, ce qui me paraît original par rapport à l'autre volume que nous avons fait, c'est-à-dire dans cette collection, Tarbes, pour le moment, je pense que Dominique Porté a réussi, et c'est très important pour l'ouvrage, à diversifier au maximum son équipe. Il me semble qu'à Tarbes, nous avons pêché peut-être en choisissant plutôt des gens de la même génération, un peu de la même culture aussi. Bon, ça a donné un ouvrage homogène qui n'est pas inintéressant. Mais tandis qu'ici, à Toulouse, dès que vous aurez le livre entre les mains, vous verrez qu'on parle de tout. On parle du Toulouse ancien, mais du Toulouse actuel, de nuit, de jour. Il y a des écrivains, il y a des historiens, il y a des journalistes. Donc je trouve que c'est une très belle réussite de ce point de vue-là. On va passer la parole à Dominique Porté, qui donc est le directeur de cet ouvrage. Dominique, donc comment s'est fait Ben, il a un peu dit, c'est un dictionnaire amoureux, donc on est plutôt dans l'ordre, si vous voulez, de l'émotion, de l'affection, enfin, de ce que peut être l'amour. Alors une fois c'est vache, une fois c'est sympa, une fois c'est ci, une fois c'est là. Et donc pour faire ça, il fallait qu'il y ait des amoureux un peu de toutes les tendances, je dirais. Alors moi, quand il m'en avait parlé, je m'étais dit, pour faire un livre comme ça, il faut essayer de faire comme quand on fait de la cuisine. Oui. Et je suis parti sur une idée de quatre quarts, je dirais. J'adore la pâtisserie, vraiment, je suis un grand spécialiste pâtisserie. Et donc, un quart, j'ai dit, il nous faudrait quand même avoir des hommes et des femmes, parce que ce n'est pas toujours exactement le même regard. Alors évidemment, là, je veux dire, c'est un petit quart quand même, hein. Enfin, bon, elles ne sont pas toutes là, il en manque au moins une. Hein. Donc, c'était une volonté d'avoir des femmes et d'avoir des hommes. Hein. La deuxième idée, c'était ce qu'a dit Jean-François, c'était d'avoir un quart, de regarder par génération, je dirais. Et là, vous avez des gens qui ont 30 ans, vous avez des gens qui ont dans la quarantaine, vous avez des gens qui sont dans la cinquantaine, vous avez des gens qui sont dans la soixantaine, vous avez des gens qui sont septuagénaires.
Et on est même allé jusqu'à un octogénaire. Je veux dire, vous voyez le genre. Et donc, on a fait vraiment tout le panel. C'est pas négligeable ce que je dis, dans le sens où, évidemment, vous n'avez pas le même regard sur une ville quand vous avez 80 berges que comme quand vous en avez 30, je dirais. Et c'est ça qui permet certainement d'avoir des sujets qui soient un peu différents. Le troisième quart, il fallait que ce soit tous des gens de plumes, mais des plumes différentes. Vous voyez, un peu comme les Indiens, parce qu'ils avaient tous la putain de même plume, quoi, on ne s'y reconnaît pas, je dirais. Donc là, que des plumes différentes. Alors vous avez, je dirais, des gens qui ont une plume, que je dirais, un peu académique. Vous avez des gens qui ont une plume un petit peu poétique. Vous avez des gens qui ont une plume littéraire. Vous avez la plume de l'ami Bétillon, je dirais, assez humoristique. Il faut lire son 148. Hein. On y est dedans, je dirais. Vous avez une plume très culturelle, je dirais, avec Greg. Hein. Bref, vous avez une plume très importante, la plume sociale de Marie, je dirais, qui vous parle de lieux dont on ne parle jamais sur Toulouse. Vous avez une plume assez folle, je veux dire, assez lyrique. Moi, je dis ça, c'est une forme de Céline Cabillo toulousain, hein, ce qu'écrit Magie de Cherfi. Vous avez deux textes. Hein. Les auteurs devaient prendre qu'un texte. Et là, vous avez deux textes sur Saint-Cernin. Mais il faut lire les deux textes. Hein. Vous avez un texte de Bartholomé Benassar, que certains connaissent, hein, qui est un des grands historiens toulousains. Et vous avez un texte de Magie de Cherfi sur le même lieu. Mais vous avez deux regards, deux visions. C'est un peu l'idée de fond. Hein, je veux dire, c'est que quand on aime, en général, on voit, mais je ne sais pas comment vous dire, on voit avec un prisme, je dirais, qui est spécial. Vous voyez, là, ce qui est vrai, c'est qu'on a 15 prismes un petit peu spéciaux. Dernier point, je voulais avoir, je dirais, des gens qui avaient des centres d'intérêt qui étaient très différents. Centre d'intérêt plus historique, centre d'intérêt plus politique, centre d'intérêt plus sportif, et tout ça faisant ce que peut être une ville. On a tendance à dire toujours que Toulouse, c'est une ville rose. Alors déjà, quoi, je veux dire, moi je ne la vois pas toujours rose, mais peut-être que tout le monde la voit rose, je dirais. Après, on nous dit, bon, mais non, mais c'est la ville de la violette. Ah bon, Bref, un tas de conneries et de clichés, si vous voulez, qui en fait, pour moi, n'apportent pas grand-chose, je veux dire, à la connaissance, je veux dire, d'une ville. Là, vous avez quelque chose qui est un peu, qui est un grand bouquet, une profusion, hein, qui donnera peut-être quelque chose qui vous plaira. Hein. Alors, juste un truc que je voulais répondre sur l'idée de dire, mais vous n'avez pas traité tous les sujets. Alors, on n'a pas traité tous les sujets, mais quand ils ont écrit la Bible, ils n'ont pas tout traité parce que déjà, il y en avait trop. C'est ce que je voulais que je vous dise. Hein, je veux dire. Non, mais il y a 240 pages, donc on ne peut pas tout mettre dedans. Hein, je dirais. On avait un format qui est de 240 pages. Donc, il y a 90. Deuxièmement, je le dis d'ailleurs dans la préface, je dirais, la première fois que j'avais parlé de ce livre, j'en avais parlé à une dame. Bon, elle n'était pas dans l'édition et elle ne lisait pas beaucoup, hein, je dirais, enfin, à part des contes. Bref, et elle a été huissier, je veux dire, donc vous voyez le genre. Mais très sympathique, au demeurant, hein, je veux dire, donc. Et elle me dit, mais encore, vous allez faire un livre sur Toulouse, il n'y en a pas assez de livres sur Toulouse. Oh bon, je me suis dit. Enfin, moi, je vais tous les magasins, dans les magasins, je veux dire, vous avez 250 paires de pompes, vous en avez une tous les jours, les voitures, je veux dire, elles sont rouges, elles sont vertes, elles sont toutes les couleurs, vous avez toutes les... et des livres, il y en aurait trop. Je ne crois pas qu'il y en ait trop, hein, je veux dire, hein, je crois que... Et donc, s'il y en a qui trouvent qu'il y a des choses qui manquent là-dedans, hein, en termes de mots ou en termes d'auteur, je pense que l'éditeur, mais il faut que vous achetiez beaucoup le livre, hein, parce que ça l'encouragera, il pourrait peut-être faire une deuxième édition. Hein, voilà. Hein, merci. Le livre qui sort aujourd'hui, hein, je le rappelle, il est vraiment tout chaud, sorti des presses. Et on peut l'acheter à la sortie. Hein. Bien sûr. C'est Magie de Cherfi voilà, nous rejoint. Magie de Cherfi. Magie qui est donc a traité d'Arnaud Bernard, de Ginestous, de la rue Raphaël et également de Saint-Cernin entre Nef et Parvis. Vous citiez en effet, bonsoir Magie, il y a deux textes sur Saint-Cernin, donc l'un par Bartholomé Massard et un par Magie. Alors, cette idée de battre en brèche les clichés, moi je la reprends en effet au passage, je trouve qu'en effet c'est ce qui ressort de la lecture de ce livre. Alors, on va vous passer la parole tour à tour. Mathilde Bonazzi, donc vous traitez, vous écrivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je compte en même temps, parce que bon, comme vous... Voilà, le métro des Carmes, les lumières du ciel toulousain, les façades, les maisons relais, la rue de Saint-Cyprien, la rue de l'Ouest, dans le quartier Saint-Cyprien.
En plus, c'est vraiment il y a des lieux que je suis là depuis 18-19 ans, il y a encore des lieux que je ne connais pas. Et heureusement, Marquis, vous allez me dire. Et ce livre nous les fait découvrir, on a envie d'y aller, nous donne envie d'y aller et nous les fait découvrir sous un regard complètement différent de l'habitude. Le quartier Saint-Michel également, le terrain vague et un article sur le vélo, un chapitre sur le vélo. Alors, quand Dominique Portet, d'abord, comment c'est fait là, vous avez rencontré les différents auteurs, vous leur avez proposé des choses, ils ont été complètement libres. Voilà. Vous savez, je vous disais, un livre, c'est comme quand vous faites, je sais pas, moi, de la cuisine, vous faites un cassoulet, vous avez une saucisse, vous avez un machin. Il a trouvé un faillot. Voilà, et ben voilà, non, voilà. Non, mais dans le cas précis, mais avec chaque auteur, il y a des histoires. Alors, première chose, je veux dire, un bouquin, c'est un truc collectif. Hein. On pense toujours qu'il y en a un qui a tout pensé. Dans le cas précis, ça serait l'éditeur, je ne crois pas. Ça serait Soulé, je ne crois pas. Ça serait moi, je crois encore moins. Je veux dire, donc, ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est l'ensemble de choses qui se confrontent, qui se mettent en rapport. Ça se branche ou ça ne se branche pas. Hein. Bon, là, évidemment, ça s'est un peu branché. Alors, quand il faut choisir, je veux dire, des auteurs, d'abord, c'est, parce qu'après, il y en a qui disent, ouais, mais j'y suis pas. Évidemment, quoi, on va. Si vous le proposez, au début, quand vous les montez la maison, il n'y a personne qui prend la truelle, hein, je veux dire, c'est vite fait. Alors, moi, j'avais rencontré Juju, je veux dire, Julien Jusforgue, qui lui, et on se connaît depuis fort longtemps, puisque. Ah, oh. On ne va pas le dire. Non. 40 ans. 45 ans. Non, mais il fait jeune quand même. Moi, naturellement, mais il fait jeune. Hein. Bon, bref. Et donc, et Juju, lui, connaît un certain nombre de gens, je dirais. Hein, et moi, j'en connais aussi. On a essayé de dire, on pourrait mettre ci, on pourrait mettre là. Et avec cette logique d'équilibre oui. que je vous ai dit, d'âge, de génération, de type de plume, patin, couffin. Bref. Donc, on a. Lui, un clair Juju. A été très important là-dedans. C'est Marie. Moi, je la connaissais, Marie. Enfin, elle n'avait pas trop confiance en moi. Hein. Ah je bon vous dis quand, je vous le dis quand vous voulez, je veux dire. Mais à lui, bon, comme elle avait confiance, c'était bon. Et Majid, je veux dire, bon, moi, je ne connaissais pas. Je veux dire, non, j'avais écouté à la radio, mais enfin, à part ça, je ne le connaissais pas directement. Hein, je veux dire, et voilà. Et bref, et comme ça, on a. Alors. Je vais passer la parole, je veux dire, à Mathilde. Non, mais bon, c'est-à-dire, ils nous ont dit qu'ils fermaient à 8 heures. Vous voyez, s'ils fermaient ici, je veux dire, à minuit, quoi, je veux dire, on pourrait parler un peu. On ne peut pas parler, quoi, je veux dire. Bon, mais enfin. Et donc, pour ce qui est de Mathilde, Mathilde, je la connais, je veux dire, par. Parce que je l'ai rencontrée dans un mariage de la fille de ma compagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous voulez que je vous le raconte, mon amie d'enfance vrai. Depuis que j'ai 4 ans. C'est vrai. Hein ? Et donc, et dans ce mariage, d'accord. Je veux dire, il y avait des fleurs partout, les machins, bon, à un moment donné, ça commençait à la musique et tout. Bref, ils font des trucs aujourd'hui, les jeunes, ils racontent leur vie. Vous voyez, ils disent, oh, quand je t'ai connu, parce qu'elle était la copine de la mariée, quand la mariée était à la maternelle. Elles se connaissent depuis la maternelle. Vous voyez le genre, hein. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'elles se connaissent. Bref, et donc, elle a fait une espèce de discours de mariage pour présenter sa copine, je veux dire, ou raconter des anecdotes sur sa copine. Et ça avait été, je lui ai dit d'ailleurs, ça avait été un éclair. Putain, je me dis quoi ? Qu'est-ce qu'elle parle bien, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle raconte bien ? Qu'est-ce que c'est intéressant ? Et patin, couffin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le moment où je ne me faisais pas chier pendant toutes les heures du mariage. Alors là, j'en ai profité. Donc, ça vous marque, hein, franchement. Hein. Et donc, j'ai dit, il faudrait qu'on ait des gens jeunes. Après, j'avais rencontré une fois au Mirail, là, dans un truc, dans une librairie. Et j'ai dit, tiens, je vais lui proposer. Et alors elle, hop, elle m'a proposé un autre, je veux dire, et ainsi de suite. Et après, quand j'avais mes deux de 30 ans, mes deux de 40, ainsi de suite, vous voyez, hop, je dis, on arrête là, c'est, voilà. C'est aussi simple que ça, en fait, hein, si je puis dire. Enfin, non, ça... C'est la cuisine, je veux dire, la cuisine, c'est la cuisine. Il faut aimer le faire, je dire, faut aimer la cuisine. On le comprend, Mathilde Bonazzi, donc allez-y. Donc, vous, le choix des textes, par exemple, vous traitez des carmes, mais c'est le métro des carmes. Alors, pourquoi pas, remarquez, mais comment c'est fait un petit peu? Vous avez réfléchi longtemps, vous avez dit, il y a des lieux que j'affectionne particulièrement, que je connais, voilà, comment se fait le... Alors, non, j'ai pas réfléchi très longtemps aux notices. En fait, vous voyez, quand vous partez en voyage pendant les vacances, vous pouvez acheter à peu près partout où vous allez des t-shirts I love Marrakech, Venise, ce que vous voulez. Donc là, j'ai voilà, le t-shirt I love Toulouse. Qu'est-ce qu'on peut mettre autour de ce t-shirt et qu'est-ce qu'on met autour du cœur? Voilà. Donc moi, c'est vrai, j'aime beaucoup la station de métro des Carmes et je trouve que descendre à cette station de métro et se... Voilà, être sous cette voûte céleste là d'un artiste corse qui s'appelle Jean-Paul Marchesi, je ne sais pas comment on doit dire.
Enfin, en tout cas, c'est absolument sublime. Et prendre le métro et descendre à cette station, ben, ça donne un envol, quoi. Donc j'avais envie de raconter ça. J'avais aussi envie de raconter, et ça, j'ai pas réfléchi beaucoup non plus, la maison Relais et ses habitants. Donc ça, c'est une maison qui est rue Pérolière à Toulouse et qui accueille des gens qui ont eu une rupture dans leur vie, et souvent des vies fracassées à un moment. Et en fait, dans ce lieu-là, on dirait un appartement bourgeois, et en fait, ils trouvent un appartement, ils s'installent, et ils peuvent mourir ici, et ils apprennent à exister dans ce lieu en ayant un logement. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de passer du temps avec eux, de les entendre. Et voilà, c'est un livre que j'ai adoré écrire, parce que c'est sur le terrain, j'ai rencontré des gens. Et j'ai beaucoup aimé leur donner la parole et les faire parler dans ce livre. Des lieux comme cette rue de l'Ouest à Saint-Cyprien, petite rue un peu cachée, qu'on découvre vraiment au passage. Il faut vraiment se pencher pour la découvrir. C'est vrai que, ou alors, j'ai trouvé très beau votre texte, pas seulement, mais sur les lumières du ciel toulousain également. Il y a aussi des côtés poétiques dans cet ouvrage, il faut le signaler. Au passage, il y a une écriture très poétique de certains. Également les façades. Ah oui, les façades, ça c'est important de dire que je l'ai écrit, en fait, on l'a écrit à six mains. Avec des étudiants à moi qui sont dans le BTS où j'enseigne et qui sont des super étudiants, vraiment super mignons, qui ne sont pas là ce soir et qui ont 20 ans. Donc voilà, il y a aussi des jeunes gens qui ont 20 ans qui ont écrit. Et d'ailleurs, c'est assez touchant parce que ce sont les plus jeunes qui ont écrit sur ces façades qui se trouvent en face du musée des abattoirs et qui ont aujourd'hui été démolies. Enfin, depuis que la notice a été écrite, tout a été rasé, sauf peut-être justement cette façade. Et il y a un gros plan immobilier qui va être construit là. C'est là où il y avait chez Carmen, Le Petit Diable, voilà, quand même des hauts lieux tout le temps. Et donc, c'est les étudiants qui ont choisi d'écrire sur cette façade. Donc, je trouvais que c'était assez touchant. Ce qui est très réussi aussi, ce sont les sous-titres. Enfin, sous chaque titre de chapitre, il y a une sorte de sous-titre pour les Carmes, station de métro, aller-retour céleste, pour la Cinémathèque, plus d'un demi-siècle de cinéphilie. Je sais pas, mais j'avais eu le livre sur le jeu d'épreuve. Ça figurait déjà dans les épreuves. Ça n'a pas été rajouté au moment de la sortie du livre parce que je n'avais pas... C'était prévu, quoi. Colonne du 10 avril, d'ici parfois je vois les Pyrénées. Les façades, vous en parliez, Mathilde Bonazzi, que de dialogues de sourds, autant parler à un mur, avec aussi un certain humour aussi au passage. On connaît bien aussi l'humour de Dominique Porté. Je vois sa patte aussi au passage. Je la reconnais. Si, là, c'est le titre des étudiants. Hein. Ah, c'est les étudiants. Ouais, ouais, voilà, donc c'est qui s'appellent Valentine Bonnet et Vincent Monin. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Mathilde Bonazzi. Marie Didier, donc vous signez un certain nombre aussi d'articles, de papiers, enfin de chapitres dans ce livre. Je vais vous les mentionner. Alors, Marie Didier, donc un texte par auteur. Donc l'atelier idéal, un lieu aussi qu'on ne connaît pas forcément. Le Café Bleu, aussi un lieu très très étonnant aussi au bord de la Garonne, vers Blagnac, un peu après les Sept Deniers, que certains d'entre vous peut-être sûrement connaissent, mais que je vous invite à découvrir si... la place du Capitole, bon ça c'est plus classique, mais bon, la chapelle, la rue Franc et un personnage qui s'appelle Odile Mire. Même question qu'à Mathilde Bonazzi, Marie Didier, que je vous connais bien, vous avez eu le prix littéraire de la ville de Balma, moi je m'occupais avant des rencontres de Balma et je sais que vous avez publié de très très beaux romans aussi au passage, je le dis. Comment s'est fait ce choix des lieux que vous affectionniez un peu Il faut dire d'abord que c'est grâce à la faconte de Dominique Porté que je suis rentrée dans ce livre, hein. Dans ce cercle. Oui. Et que ce qui était extraordinaire, c'est que ils nous ont laissé totalement libres de nos mouvements. Sinon, moi, j'étais incapable d'écrire quelque chose de très académique sur les monuments de Toulouse. Donc, je suis rentrée comme ça. Et donc, il y a une rue, effectivement. Particulier, il y a une rue qui s'appelle la rue Franck où vit une de nos plus grandes artistes, sans doute peut-être française, enfin, qui est une femme sculpteur qui s'appelle Odile Mire et qui a été attirée là parce qu'elle était sûre que la maison à côté, qui était contiguë à la sienne, avait été celle de Falguière, le grand sculpteur. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Marianne Miguet, qui est morte il y a peu de temps, oui. Malheureusement, il y a peu de temps, ce qui nous a
Et elle, Marianne, avec sa générosité habituelle, s'est lancée là-dedans et elle a découvert que cette maison voisine de celle d'Audi Lemire appartenait à un collectionneur qui dirigeait la dépêche à ce moment-là, Huc. Bon, bref, tout ça est des choses qui sont secrètes un petit peu, finalement, dans Toulouse, qui ne sont pas très académiques, mais qui m'ont, ça m'a plu de parler de ça. Voilà. Également, l'atelier idéal aussi, le café oui. bleu, qui est un lieu aussi oui, complètement... Oui, l'atelier idéal, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui sont là au milieu, peut-être, c'est des gens qui, il y a longtemps, c'est le lieu qui s'appelle La Chapelle, est-ce qu'il y en a qui connaissent à Toulouse, La Chapelle, 36 rue Casanova, qui est un lieu tout à fait étonnant, c'est-à-dire que son histoire est étonnante. C'est une dame patronesse qui a fait construire une chapelle qui a été après en déshérence, abandonnée, qui appartenait à l'évêché. Et là, il y a un groupe de gens qui ont décidé d'investir ce lieu. Et en particulier, ça a été, il y avait un poète tchèque qui était un alcoolique profond, doublé d'un vrai poète qui était assistant à la fac du Mirail et qui était pratiquement SDF et qui s'est installé avec un type qui chantait du Brassens et qui s'appelait Georges, c'est la vérité. Et ils vivaient tous les deux dans cette chapelle par tous les temps, et Giry Wolf, qui était ce poète, qui est mort clodo, là-dedans, dans cette chapelle, il est mort de froid un jour, et les gens qui avaient investi cette chapelle ont trouvé, en nettoyant, les poèmes de Giry Wolf, qui sont toujours, d'ailleurs, dans cette chapelle, qui est devenue, peu à peu, l'atelier idéal, qui est un lieu absolument magnifique sur Toulouse, où il n'y a pas de président, tout le monde décide ensemble, chacun est responsable de ce qu'il fait, ils invitent des artistes, ils ont des artistes qui ont été connus, d'autres qui l'ont été moins, tu le connais, Maïdji, de ce lieu, voilà, et qui donc font des débats. Il y a même un groupe pour les retraités qui viennent taper la carte, et il y a même un lieu pour faire le pain, et il y a une APA où on vend les légumes. Bon, bref, c'est un lieu complètement alternatif qui est très poétique et très, très utile, je trouve, dans Toulouse. Voilà. La dimension sociale qu'évoquait Dominique Porté. Sociale et politique. Sociale et politique, voilà. Et sociale et politique, il ne faut pas oublier. Politique et poétique. Et poétique, voilà. On a les trois réunis. Bartholomé Bélassard qui nous rejoint. Voilà, bon, on va être. Oui, par rapport à ça, sur ce que vous dites, le social et le politique, c'est vrai que quand vous prenez un certain nombre de bouquins sur Toulouse, on peut faire quand même un reproche quelquefois, c'est largement aseptisé, hein, je veux dire, hein, il y a un tas de trucs dont on ne parle pas. Là, je vais vous rebondir sur la question des quartiers, je veux dire, hein, mais moi j'en ai lu des livres quand même sur Toulouse, hein, parce que j'ai fait un peu l'éditeur pendant un temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais alors, pour voir des trucs sur Arnaud Bernard, enfin, faut quand même fouiller, quoi. Évidemment, si vous cherchez dans des livres, je veux dire, de 1900 et quelques, vous pouvez à peu près trouver, hein, je veux dire. Hein, enfin, on n'en parle pas beaucoup. Le Ginestou, je veux dire. Ah ben, dis donc, hein, je veux dire, on ne savait même pas que ça existait à Toulouse, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que, je vous dis, une ville, c'est quand même un ensemble, c'est une diversité, c'est très multiple, et l'idée, c'était de faire émerger un peu ça, avec ses plumes, avec ses gens. Voilà. Alors, Maïdji Cherfi, justement, fait émerger, vous venez d'en parler, Dominique Porté. Donc, vous, Maïdji, vous signez donc un texte sur Arnaud Bernard, un texte sur Ginestou, un texte sur la rue Raphaël, et un texte également sur Saint-Cernin, entre Nef et Parvis. Et là, il y a toujours à chaque fois un angle original. Comment, voilà, la collaboration, le travail avec Dominique Porté, tout de suite, c'est vous qui avez eu l'idée, vous avez dit, tiens, allez, j'y vais. Dominique Porté. Oui. La faconde de Dominique Porté. Dominique Porté. Alors évidemment, il m'appelle au téléphone, il me dit, on va manger au Père Léon. Je sais que je vais y aller, quoi. Ah bah oui.
Vous comprenez ? C'est un bon argument. Et il me dit, il y a Juju, je sais qu'il va y avoir un millésime. Juju, pardon, c'est Julien Jusfort. Quand on est à table avec eux, on a envie d'oublier un peu le temps et de rester 5-6 heures. Après tout, on pourrait rester à table, manger très lentement, très tranquillement. Et je me suis vu partir. Donc, il y avait, j'étais pas tout seul, on y avait, hein, on était quelques-uns autour de cette table. Hein, si... Et oui, la boisson, ça enlève la mémoire. Et on se croit plus nombreux qu'on est aussi. Et donc, voilà, je me suis farci un pavé gorgonzola parce que je n'ai pas trop l'occasion. C'est pour ça, sinon, j'aurais pu prendre un steak frites simple. Et un pic Saint-Loup, je crois. Et oui. Hein, ouais. C'est un bon choix. Et l'inspiration est venue depuis ce repas, si vous voulez. Arnaud Bernard, Ginès Tous. Et donc, oui, voilà. Oui, après, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse après dans l'écriture, c'est à quel moment il y a un brassage. À quel moment ça pue la bâtardise, à quel moment ça pue le mélange. Et j'aime quand ça pue. Et donc, il y a une trajectoire qui est celle de l'immigration à Toulouse. Toulouse n'est pas une ville d'immigration, mais il y a quand même... Enfin, je parlais de l'immigration maghrébine, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'Espagne. Pour l'Espagne. Pardon pour l'Italie. Pardon pour le Portugal. Pardon, c'est une ville d'immigration. En y réfléchissant bien. Toulouse est d'abord une ville de l'immigration. Et donc, bon, moi, évidemment, j'ai regardé la mienne d'immigration et il y a ce parcours. Quand vous venez du Maghreb, il y avait le camp de Ginès Tous tout à fait au nord. La cité, donc la rue Raphaël, construite par l'abbé Pierre, enfin, projet de l'abbé Pierre de construire des cités d'urgence. On remonte, donc là, on est un peu plus bobo, on atterrit Arnaud Bernard. Et puis, évidemment, le fantastique, et c'est oui. Évidemment Saint-Cernin le dimanche avec cette espèce de bâtisse posée là, bâtisse catholique si l'année, et tout autour le dimanche, il n'y a pas un seul chrétien. Enfin, j'imagine. C'est plein de mes cousins. Et donc, j'ai aimé, si vous voulez, cette idée que. Et si elle devenait un dimanche sur deux une mosquée ? Enfin, j'en parlerai au maire de Toulouse. Alors, c'est vrai, ce qui est intéressant sur Saint-Cernin, il y a aussi le café Saint-Cernin, signé par Christian Autier, également qui n'est pas avec nous, mais il y a vraiment, à chaque fois, vous l'avez très bien dit, sur un lieu, plusieurs, et c'est vrai que ce marché Saint-Cernin, il n'est pas question qu'il le déplace, non, c'est ça, c'est, je crois que c'est, ça y est, ça va, c'est décidé, hein, suite, voilà. C'est, ouais. Apparemment, il y a un adjoint de Baudis, il y a 20 ans, qui avait décidé de déplacer ce marché. Révolte générale. Les commerçants, etc. Louis Destrême, qui est plus avec nous, et moi, on avait fondé un comité des collectionneurs et artistes, et on avait sollicité le père d'André, qui nous avait soutenus. Enfin, bref, Baudis, qui n'était pas bête, il savait ce que les choses pesaient électoralement, il a vu que cette histoire du marché, ça allait lui nuire, il a tout arrêté, le marché est resté là. Et cette fois, ça ne soulève aucune protestation. J'ai cru comprendre que les commerçants du marché étaient satisfaits. Probablement qu'on leur a promis une remise sur les patentes ou les droits de place, un truc comme ça. Donc, hélas, ce marché auquel on était quelques-uns très attachés, ce marché disparaît. Voilà, c'est fait. Jacques Bétillon, donc vous signez vous trois textes, un sur l'accent, un autre sur le bus justement 148 que vous évoquiez au départ, Dominique Panté, et un texte également sur les spectacles. Après justement on passera peut-être la parole ensuite à Greg Lamazère qui lui signe un certain nombre de textes aussi sur la salle du bijou, du bikini, des spectacles. C'est un ancien homme de radio, toujours voilà, qui est grand journaliste, Greg Lamazère, et aussi écrivain. Voilà. Non, c'est vrai, j'arrête pas, je dis ce que je pense. Jacques Bétillon, même question, vous avez le micro, donc pourquoi ces trois textes, l'accent, le bus 148 et... Naturellement, c'est Dominique Porté, donc on était ensemble à l'université de Toulouse de Mirail, donc on se voit régulièrement, et il m'a demandé, alors sur quoi tu aimerais écrire, on va lancer sans doute un livre, etc. Donc je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien raconter tout ce que j'ai vécu dans le bus 148. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on a 18-19 ans et que
on partait à l'université, c'était vraiment un brassage incroyable, c'est ce que j'essaie de raconter dans la notice que j'ai rédigée. Après, il y a le spectacle, parce que j'enseigne au département Arts de la Scène, et donc c'est vrai que j'ai vu cette très très lente ouverture de Toulouse au spectacle vivant. Ça s'est fait très très lentement, et maintenant on arrive à avoir sur les scènes diverses quand même des formes enfin contemporaines. Et ce texte sur l'accent vous paraissait le plus représentatif? Non, sur l'accent, c'est parce que sur l'accent, je l'ai souvent constaté. C'est vrai que, par exemple, quand vous rentrez à l'université, c'est vrai qu'on vous demande, pas directement, mais on essaie de vous demander d'abandonner les résonances de l'accent du Midi. C'est vrai aussi que lorsque vous passez les concours de l'enseignement, c'est très mal vu par les jurys de l'agrégation, par exemple. C'était. Maintenant, il y a tellement peu de candidats, je dirais presque qu'ils se contentent de personnes qui se déportent à Paris pour passer le concours. Donc c'est vrai que c'était toujours un handicap. Et ce que je raconte dans le texte sur l'accent, c'est vrai que chaque fois, bon, j'ai travaillé un petit peu pendant 15 ans à la télévision, et c'est vrai que les émissions que je réalisais, les Parisiens invitent les réalisateurs du Sud, surtout vers le mois de juin, juillet, août. Voilà. Donc c'est vrai aussi qu'il y avait toujours ces hasards de calendrier où on vous téléphonait, on disait « Ah, mais vous avez une émission qui va... » Mais je lui dis « Mais elle va passer en septembre. »« Non, mais venez en juillet. » Voilà. Juste un mot. Vous avez vu, lui, tout à l'heure, comment il a dit « Patente ». On aurait mis trois N. Enfin, bref. C'est pas faux. Voilà. C'est pas... Et le bus 148, c'est un bus nommé Mirail. Vous écrivez, le bus 148, c'est Saint-Germain-des-Prés, version province, oui. La métonymie du quartier latin, livre, matière grise, dandy, jeunes filles en fleurs, quelques ménagères entrant du marché cristal. Le 148 représente l'innovation, la modernité mise au service des étudiants refoulés au Mirail après mai 68. Voilà, c'est en effet... Ça. Voilà, donc c'est... Donc, les textes de Jacques Bétillon, Greg Lamazère. Donc, je vous signez, vous, un certain nombre aussi de textes. J'ai retenu le bijou, le bikini, les salles de spectacle. Un texte sur Aurélien Bory également, je crois. Voilà, un homme de spectacle. Voilà. Mais j'avoue que j'ai attaqué Franco par rapport à ma première expérience avec Dominique Porté, parce qu'il a été mon éditeur à une époque, quand j'étais jeune encore. Eh oui, j'ai pris un bon éditeur. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et il m'avait fait écrire, enfin, j'avais proposé, je ne sais plus comment ça s'est passé, un livre sur Marcel Langer. Donc j'ai écrit une notice sur ce héros également, qui avait un accent un fort accent étranger, et qui a été un résistant fameux, qui est encore bien connu dans les milieux communistes, et dans les milieux qui s'intéressent à la résistance, et à comment se dresser face à l'ennemi, quel qu'il soit. Un homme avec un accent. C'est rigolo parce qu'on parlait d'accent, mais moi je suis né à Toulouse, de parents toulousains, de grands-parents toulousains ou italiens, et j'ai complètement perdu mon accent parce que j'ai fait de la télé pendant 25 ans et de la radio avant pendant 10 ans, et c'était pas possible d'avoir l'accent toulousain. Donc je suis un traître, et presque un social traître, mais ça je peux pas le développer. Donc j'ai écrit sur Marcel Langer, alias Mendel Langer. Il était juif polonais, passé par la Palestine, les combats contre l'occupant anglais, aux côtés d'ailleurs des Arabes qui vivaient là. Et ensuite, il a été décapité après quelques aventures et mésaventures dans la prison Saint-Michel. Saint-Michel, le dragon. J'ai écrit aussi sur une autre résistante. Marie-Louise Dissard. Oui. Marie-Louise Dissard. Marie Didier m'a dit qu'elle avait découvert ce personnage en lisant ma notice. Et j'ai publié, alors j'y suis allé franco aussi parce que j'ai publié il y a 2 ans un livre sur Marie-Louise Dissard. Un roman qui s'appelle « La vieille dame du War Office ». Donc là, sans faire un résumé, j'ai fait une sorte de coup de foudre sur cette femme qui avait la soixantaine en 1940 et qui n'a pas hésité, elle aussi, à plonger dans le combat à sa manière, en se déguisant, en portant des plumes, en faisant passer des aviateurs anglais tombés en France jusqu'en Espagne, jusqu'à Gibraltar. Enfin, femme de l'ombre, comme ça. Une femme de l'ombre, exactement. Assez farfelue et assez drôle. Alors j'en ai la vision de quelqu'un qui a étudié le dossier un demi-siècle après la fin des faits,
30 ou 40 ans après les derniers témoignages, donc j'ai inventé quelques épisodes qui ne sont pourtant pas si loin de la vérité, me semble-t-il, comme Marcel Langer. Mais dans la notice, tout est vrai. Je ne peux pas dire que j'ai menti. Il m'arrive de mentir, mais là, tout est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, oui, vous écrivez aussi un texte sur Aurélien Bory, oui. Donc aussi, homme de spectacle. Enfin, oui. Voilà. Il me semblait que c'était quelqu'un d'important à Toulouse aujourd'hui, tout à fait, qui a une audience internationale, tout comme Magie Cherfi. En effet. Et Aurélien Bory, oui, c'est quelqu'un qui joue avec des formes gigantesques, avec la géométrie, avec la physique, avec le corps humain, avec des acteurs, avec une troupe, des troupes, des acrobates. Il est devenu également le directeur du théâtre de la Digue rénové, ou en tout cas en cours de rénovation, en cours de remise en forme. Et il m'a semblé que c'était important de le voir là, de pied en cap. Et aussi un texte sur un événement toulousain, le Jazz 131, et oui. Également un lieu de spectacle, le Théâtre Sorano, pour montrer un peu l'étendue. Et un texte très intéressant sur le street art, aussi vous disiez au début. En effet, c'est vraiment des textes qui sont ouverts aussi voilà, sur le contemporain, le oui, vivant. Oui, j'essaie de raconter des histoires aussi, parce que bah c'était, oui, pas, non, le, c'était ouais. Pas le truc, c'était pas de faire quelque chose d'académique ou de raconter par le menu, comme le journaliste que j'ai été pendant 25 ans, ce qui se passait, ou d'interroger des gens. Ce qui fait que le chapitre sur le street art, sur le graphe, c'est, je suis allé me promener en ville, cette ville que j'aime, où je suis né, et que je déteste aussi, par moments, hein, je la déteste tellement qu'il faut que j'en parte, comme si j'avais le feu aux cheveux. Donc je suis allé me promener en ville, j'ai regardé les graphes, j'ai interrogé quelques graffeurs, et c'est vrai que Toulouse est une capitale mondiale de cet art de la rue, et peu de gens à Toulouse le savent. En revanche, partout ailleurs, on le sait. Mais il faut dire que les graffeurs s'exilent souvent, ils vont faire fortune ailleurs. Oui, ça commence par le Faubourg Bonnefoy avec une œuvre d'art urbain signée Tilt qui occupe tout un mur du Faubourg et après vous nous emmenez dans Toulouse, voilà, un peu partout. Oui, parce qu'il y a une sorte de circuit à faire, un circuit touristique. Enfin, c'est vrai que c'est des vieilles choses aussi maintenant, le street art. Hein. Il y a une série qui passe à la télé qui s'appelle The Get Down qui raconte l'émergence de la culture hip-hop et du rap aux États-Unis en 77, à New York en 77. Et on voit que le graphe ou le rap, c'est une très très vieille histoire. Et une histoire intéressante qui fait partie de Toulouse aussi, qui n'est pas qu'une ville rose, qui est une ville de toutes les couleurs avec tous les accents possibles. Voilà, Greg Lamazère donc signe un certain nombre de textes assez originaux, il faut le dire, avec chaque fois un angle, parfois une personne, comme vous venez de le dire, Greg. Aurélien Borot, vous êtes tout à côté de Greg Lamazère, donc je vais vous passer le micro jusqu'à vous. Vous signez, alors là c'est très divers, très intéressant, voilà, y a une grande diversité, un texte sur le Bazac, un autre sur le théâtre-orchestre du Capitole, un autre sur la rue Canard, un autre sur l'hôpital Joseph Ducoin, sur Matabio, sur ce café de la place Saint-Pierre, bar Pastis au Maître, le monument de la Résistance et évidemment le stade toulousain qui ne pouvait pas être oublié. Des choix sentimentaux, des lieux d'affection, comment, voilà. Oui, donc moi j'ai choisi, alors bon, pour boucler la boucle, je ne vais pas vous refaire historique, mais j'étais au mariage aussi. Ah bon donc du coup... On recrute des auteurs partout, hein. Et après Dominique Porté donc a cherché des jeunes Toulousains et il en avait beaucoup des connus et il cherchait aussi des pas connus. Donc je me suis proposé. Et les idées des huit notices me sont assez vite venues à l'esprit. En fait, c'est des lieux à Toulouse que j'ai pratiqué, que j'ai habité au sens géographique, au sens sociologique, et qui était important pour moi. Alors après, ça vient assez vite, les thématiques et le titre des notices vient assez vite, mais c'est vrai qu'ensuite, une fois qu'on les a choisis, il faut se dire que en fait, raconter sa vie, c'est pas très intéressant, donc il faut essayer de réfléchir à ce qu'on va dire. Et c'est des lieux quand même qui sont à la fois importants pour moi et aussi emblématiques dans mon parcours personnel, puisque je suis à Toulouse depuis que j'ai 3 mois. Et voilà, le Pastis au Maître, oui. J'habitais l'étage juste au-dessus quand j'étais étudiant. J'étais aux premières loges. Voilà, et c'est des lieux assez importants. Le Bazac, j'y allais souvent avec mes parents. Stade Toulousain, je suis fan inconditionnel. Théâtre du Capitole, j'ai travaillé là-dessus dans mes études d'histoire sur le théâtre pendant la guerre. Voilà, donc
c'était des lieux qui étaient importants et qui en même temps étaient aussi symboliques pour Toulouse. Merci beaucoup, Alien Moreau. On va peut-être repartir dans l'autre sens. Et je peux dire, donc Michel Naudy, je vais rencontrer Cabanis, il y a Julien Jusfort, je n'oublie personne, Marthe-Lemay qui est arrivé en cours de route, à qui je vais passer la parole. Michel Naudy, donc vous écrivez quatre textes, oui c'est bien ça, Daniel Ben Saïd, La Bible d'or, La Table ronde et Le théâtre de l'acte. Les raisons de ces choix. Bien, c'est Julien qui, connaissant mon passé, m'a proposé trois chapitres dont il était sûr qu'il m'intéresserait. La Table ronde, La Bible d'or et... Théâtre de l'acte, La Bible d'or et Daniel Ben Saïd. Oui, Daniel Ben Saïd, Le bar des amis. Et j'ai proposé de rajouter la première séance de ce qui n'était pas encore le théâtre de l'acte. C'est-à-dire c'était le proto-acte. Et Michel Mathieu, avec sa passion, qui avait réussi à convaincre le patron du Saint-Sernin de le laisser organiser un spectacle dans le café, en lui disant, voyez là au fond, bon, avec quelques planches, ça va. Bon, puis finalement, il avait amené des madriers et tout. Voilà, c'est une chose qui m'avait frappé, surtout. J'avais trouvé inoubliable cette récitation du poème de Ginsberg, Amérique. Mais autrement, bon, moi, j'ai quatre chapitres qui appartiennent au Toulouse d'hier et même d'avant-hier. Et bon, ça correspond bien à la nostalgie que j'ai de ces endroits, de cette époque. Nostalgie qui est complétée par une très bonne mémoire, donc je me souviens très bien aussi de ce qui dans ces époques-là était tout à fait négatif, malfaisant et que peut-être il vaudrait mieux oublier, mais enfin moi je continue à détester certaines choses du Toulouse d'autrefois et de la France d'autrefois aussi, et en aimer beaucoup d'autres. Sur la table ronde peut-être la table ronde c'était... Il y a toujours un restaurant qui porte ce nom et qui a la même adresse, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était la table ronde d'autrefois, quoi, qui était et là aussi, j'espère avoir été assez précis dans mon chapitre. Tout n'était pas adorable à la table ronde. Il y avait des fameux crétins. Mais le patron était un type extraordinaire qui, en plus de toutes ses qualités, a eu la sagesse d'arrêter un moment, c'est-à-dire vers 75-76. C'était un type qui était sévenol. Il a arrêté, il est reparti dans un village des Cévennes où il a monté un autre restaurant qui s'appelait Les Volets Verts, à Sauve, où je suis allé le revoir, et où il avait les mêmes menus et les mêmes plats parfois redoutables comme... Le Tabana Morena, c'était, disait-il, un émincé de volaille. Bon, non, mais je ne veux pas dire par là qu'on y mangeait mal, hein, mais ça, le Tabana Morena, c'était vraiment quelques raisins secs, des cacahuètes. Mais, bon, c'est pas ça. Mais oui, comme je le raconte, c'est... C'était banal, quoi, en 70, de faire un restaurant comme ça, avec tous les mecs, les cheveux jusque-là, la barbe, les bougies sur les tables et tout. Mais lui, Christian, il avait du génie et il avait réussi à me faire quelque chose qui n'était pas ridicule, quoi. C'était... Il y avait plus que le folklore hippie. Maintenant, comme je vous disais, j'en vois aussi les dégâts, quand je pense à ces années d'enthousiasme, il y a eu aussi des dégâts, quoi. Il y a des gens qui sont morts, qui sont ruinés la santé, qui ont fait des bêtises incroyables. Pas tellement dans ma bande à moi, parce que les militants, on avait quand même un cadre. On voulait faire la révolution, on voulait construire un parti. Donc on savait que... mardi soir, on allait tirer des tracts, que mercredi, on allait afficher, que jeudi, on avait réunion de telle commission. Bon, hein, c'était pas comme tous ces mecs qui s'étaient fait une idéologie. C'est l'hiver, il fait froid, mais le froid, c'est naturel, c'est pas à peine de se couvrir.
c'est l'idéologie bourgeoise qui a inventé qu'il fallait mettre des pulls et des chaussettes. Donc, bon, et là, je fais rigolo, quoi, parce que ça, il s'en tirait avec un rhume, mais bon, moi, je connais des cas extrêmement graves à cause de ces bêtises. Mais c'est vrai que des textes, avant de passer la parole à André Cabanis, comme le texte sur Daniel Ben Saïd, hein, qui est donc le divan du monde, c'est un restaurant qui est l'ancien bar des amis, le café tenu par les parents de Daniel Ben Saïd, qui donc le jardin de Saint-Agne, aujourd'hui 117 avenue Jules Julien. Ce texte renvoie aussi à la résistance, à cette période des années 40. Vous en parlez du reste dans le texte. Oui, parce que ce petit café était bon, à côté de l'endroit où Marcel Langer a été arrêté. Il était fréquenté par des Espagnols, des résistants. Bon, tout ça. Et ce qui est très, très curieux, c'est que la famille et le public du café n'étaient pas séparés, puisque la famille Ben Saïd avait deux chambres au-dessus et tout le reste était commun avec le café, quoi. Et donc, Daniel faisait ses devoirs au fond du café. Il était premier de la classe tout le temps. Et au lieu d'être devenu timide, renfermé pour se protéger de tous ces gens qui bavardaient au bar, lui, ça a été le contraire. Au contraire, il a été toujours curieux des gens, curieux de tout. Et ça, c'était tout à fait fondamental chez lui. Il avait gardé l'habitude de toujours faire deux choses à la fois, comme quand il faisait ses devoirs et qu'en même temps il écoutait ce qui se racontait au comptoir. Après, toute sa vie, il préparait ses cours, et en même temps il regardait la télé, ou il écrivait un tract et en même temps il prenait des notes pour une thèse. Voilà, toujours deux choses à la fois. Et c'est comme vous savez, il a disparu il y a quelques années. Et c'est une perte énorme pour Toulouse, pour ses camarades, pour la politique, parce qu'il était un des rares cerveaux de cette taille, quoi, dans son milieu. Merci Michel Giulianoli. Donc Daniel Ben Saïd, La Bible d'or, La Table ronde et le théâtre de la... André Cabanis, vous êtes vous-même historien. Vous signez donc dans ce livre plusieurs textes, notamment un sur les abattoirs, un sur l'hôtel d'Assesa, un sur une personnalité célèbre, Vincent Auriol, Dominique Baudis également, l'affaire Calas, Michel Plasson, un texte sur Michel Plasson, un texte sur Toulouse Matin et un texte sur l'université de Toulouse Capitole. Ouais, montrez la diversité de vos angles d'attaque. Oui, je crois que tous ceux qui sont ici ont dit qu'ils parlaient de ce qu'ils aimaient. Moi, j'ai essayé de parler de ce que je connaissais. Hein. On dit toujours les universitaires parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Là, c'était des gens que je connaissais, que j'ai connus. Hein, Plasson, je connais. Baudis, je l'ai connu. Je n'ai pas connu Calas, hein, qui est mort au XVIIIe siècle. Donc là, effectivement, dans des conditions terribles. Hein. Vous dites Vincent Auriol, très célèbre. Je ne sais pas, vous savez, je veux dire... Petits-enfants sont là, Camille, Jean et Raphaël, et passent tous les jours dans la rue Vincent Auriol, je ne sais pas s'ils savent qui c'est. Hein. Hein, c'est boulanger, un exemple de réussite républicaine. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas très charismatique, il n'était pas très beau, c'était un vieux gros monsieur chauve. Hein. Bon, enfin bon, on peut être un vieux gros monsieur chauve sans être forcément déconsidéré. Hein. Et il a été président de la République française pendant 7 ans. Hein. Il est passé par notre faculté de droit, il a été docteur en droit, il a tenu à bout de bras cette république avec une constitution calamiteuse et en jouant un rôle important. Donc, je pensais que ça valait la peine de rappeler un peu ce personnage, notamment et parmi d'autres, puisque, oui, c'est Pêche qui a travaillé dans ce... qui n'est pas là, mais qui a travaillé également à ce livre, hein, qui dit que les Toulousains peuvent être fiers de Vincent Auriol. Toriol, comme disait le canard enchaîné. Mais je crois que c'est le cas. Les abattoirs, oui, bon, vous savez, dans un bouquin comme ça, c'est un peu comme le patinage artistique, en peut-être pas aussi gracieux, mais bon, il y a des figures obligées et puis il y a des figures libres. Alors le Capitole, l'hôtel d'Assesa dont j'ai parlé, c'est une figure obligée, les abattoirs d'une certaine mesure. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est l'occasion de parler d'autres quartiers que du centre-ville. Hein. Les abattoirs, c'est un peu le symbole avec d'autres monuments, avec le musée de l'affiche, avec le musée de la photo.
photo, le château d'eau, c'est le symbole d'une émergence culturelle de Saint-Cyprien. Alors, pour reprendre le beau vocabulaire toulousain de notre directeur, qui ne nous a jamais fait peser aucune censure sur ce que nous disons, hein, Saint-Cyprien, dans la tradition toulousaine, c'est Saint-Cypre-con, hein, on le sait bien. Et donc, avec une image qui n'est pas celle d'un quartier très central, actuellement, notamment grâce aux abattoirs, Saint-Cyprien est en train d'avoir effectivement une place importante du point de vue culturel. C'est ce que j'ai essayé d'indiquer, tout en soulignant évidemment que s'agissant de l'art contemporain, parfois il fallait un effort, mais le plaisir est inséparable de l'effort, certainement, on peut le dire en tout cas. Toulouse Matin, oui, ça a été une expérience intéressante, hein, par rapport à ce qui est la grande puissance de la dépêche du midi. Il y a eu plusieurs expériences de ce type, et Toulouse Matin a été une de celles qui a laissé un certain souvenir. En plus, à l'époque, il m'avait interviewé gentiment quand je dirigeais l'Institut d'études politiques, donc j'avais une espèce de devoir de reconnaissance à l'égard de cette publication. Ça a été une tentative intéressante de diversité du point de vue de la presse locale. Mais comme beaucoup d'autres, comme toutes les autres, elle n'a finalement pas abouti. C'était intéressant de voir pourquoi finalement ça n'avait pas. Tout le monde dit il faudrait un autre journal à Toulouse, non pas. Bon, la Dépêche a un rôle important et il faut que la Dépêche parle de ce livre, hein, c'est important. Sinon, qui en parlera? La Dépêche est un bon journal de qualité, bien sûr, mais peut-être que voilà, un autre journal, il sera encore meilleur, hein, s'il avait un challenger, hein, mais il n'a pas de challenger. Julien Jusforgue, donc vous signez vous trois textes dans ce livre, la colonne donc du 10 avril, l'hippodrome et l'observatoire de Jolimont. Même question qu'à tous les autres, la raison de ces choix, des lieux que vous affectionnez particulièrement. Moi, j'avais pas du tout prévu d'écrire des textes. Je pensais juste donner un coup de main à Dominique, et j'avoue que j'ai été pris par le jeu, par le mouvement, et que j'ai eu envie de partager trois lieux où j'ai plaisir, que j'ai découvert, et de les faire partager. Et parce que j'ai pensé qu'il y avait dans Toulouse une richesse, mais que souvent, dans les guides, on retrouve un peu les mêmes endroits, qui sont souvent des endroits très intéressants, mais qu'il y a énormément dans la caverne d'Ali Baba de Toulouse de lieux très divers que j'avais envie de partager, c'est tout. Des lieux parfois qui renvoient à des épisodes historiques qu'on a oubliés. Enfin, ça peut être le cas, par exemple, enfin, on ne sait pas forcément à quoi correspond la colonne, justement, du 10 avril. Enfin, je dis ça, mais bon, notamment. Enfin, la colonne du 10 avril, effectivement, est un monument historique. Et ce qui m'a le plus intéressé, ce n'est pas la colonne du 10 avril, c'est juste à côté, le fait qu'il y ait un des très rares monuments aux morts pacifistes dédiés aux combattants de la guerre de 14-18. Il y en a très peu en France. Et celui-là est très peu connu à Toulouse. Je pense que ça honore justement une certaine façon de voir la guerre. Vous écrivez un jet de pierre, contrepoint de ce monument agressif et solitaire, nous trouvons un autre monument aux morts bien différent. En effet, une femme en bas-relief protège les noms des poilus de 14-18 gravés dans la pierre. L'altitude de la dame n'est pas belliqueuse, bien au contraire, nous sommes devant un des rares monuments aux morts pacifistes de notre pays. Ça reflète bien de toute façon un peu les textes des auteurs présents, c'est de prendre un lieu et peut-être d'en parler sous un angle nouveau, qui fait en tout cas un angle un peu inédit, enfin je dirais, voilà, c'est un peu ça qui... L'hippodrome... L'hippodrome, j'ai la chance d'habiter à côté. Vous ne jouez donc, pas je ne joue pas aux courses, je ne suis pas exactement, je n'ai pas le profil d'un jockey, donc je ne suis pas actif dans l'hippodrome. Mais à côté de l'aspect le plus visible de l'hippodrome, où il y a des courses très, qui rassemblent beaucoup de monde, hein, c'est spectaculaire, il y a une face cachée, qui est la vie des palefreniers, des entraîneurs, des jockeys, des chevaux. Et ce lieu est complètement hors du temps, désuet et a un charme. Enfin, j'avais envie de le faire connaître et de le partager. Et l'observatoire de Jolimont aussi, c'est merveilleux. C'est un lieu qui est délirant, ouais. Qui commence à être un petit peu plus connu. Oui, mais qui n'est pas si... Encore, mais qui n'est pas... Ouais. C'est certainement pas le jardin le plus prisé à Toulouse. Et j'invite tout le monde à le découvrir.
Merci beaucoup, Julien Jusfogg. Bartholomé Benassar, vous nous avez rejoint en cours de route, si je puis dire. Vous signez donc... Je m'excuse. Non, non, mais je vous en prie, vous êtes le bienvenu, rassurez-vous. Bartholomé, donc, vous signez plusieurs textes dans ce livre. Un texte sur la Garonne, un texte sur Domingo Montemayor, un texte sur la librairie Ombre Blanche, un texte sur les ponts jumeaux, un autre sur le chevet de Saint-Cyr. C'est toujours intéressant parce que les textes peuvent fonctionner. Vous l'avez dit tout à l'heure, Dominique Portet, justement, le texte de Magide sur le chevet de Saint-Cernin-le-Marché peut fonctionner en miroir, en écho, avec celui de Bartholomé sur également le chevet de Saint-Cernin. Et enfin, un très beau texte également sur les toits de Toulouse. Voilà. Donc, même question qu'à tous les autres, des lieux que vous fréquentez, que vous affectionnez, que vous, près desquels vous avez habité. Enfin. D'abord, il y a la demande. C'est Jean-François Soulet qui m'a demandé de participer à ce lexique. Or, ça a été un ancien étudiant, ça a été un collègue, et par conséquent, je ne me sentais pas capable de lui refuser ce qu'il me demandait, puisque j'avais gardé avec, pour lui beaucoup d'amitié. Cela dit, je ne voyais pas très bien comment justifier ma participation à ce livre, parce que moi, je ne suis pas Toulousain de naissance, je ne suis pas Toulousain d'enfance, et même pas Toulousain d'adolescence. Bah alors. Mais je suis arrivé à Toulouse au milieu de mes études supérieures. Voilà. Et puis alors, par contre, c'est vrai que j'ai, à partir de ce moment-là, eu des quantités de raisons de m'attacher à la ville. Mais au moment de choisir, je n'avais pas, en quelque sorte, de choix naturel, évident. Par conséquent... Et en plus, il m'en a demandé 6, il ne m'a pas dit qu'il fallait en faire 2 ou 3. Il m'en a demandé 6, comme si le chiffre 6 était presque sacré. Je croyais que tout le monde avait fait 6 tics. D'accord. Alors, quoi choisir? Il y avait la Garonne. Moi, j'ai toujours eu une passion pour les eaux courantes. Pour moi, l'eau courante, c'est un peu une métaphore du temps. Alors, un grand pêcheur aussi. Oui, bon, bien sûr. Si, non, mais voilà, non, mais je dis ça au passage parce que... Mais c'est aussi ça. J'ai toujours aimé les eaux courantes, partout où je suis allé. C'est une véritable passion. Je me mets devant. Et comme pour moi, c'est ça, une métaphore du temps. Je me mets à construire toute une série, en regardant passer l'eau, toute une série d'événements du passé, du présent, peut-être de l'avenir. Bon, alors ça m'a paru évident. D'autant plus que personne ne l'avait pris. Bon, parce que... Par exemple, j'avais demandé la rue du Thor, mais on m'a dit, ah non, c'est... Bon, très bien. Alors, donc, la Garonne, voilà. Ensuite, je me disais, on m'avait dit quand même, il est bon qu'il y ait des monuments. Bon, alors, comme j'ai toujours admiré énormément Saint-Cernin, en particulier son chevet, bon, et que ça, il y avait, on m'a dit, là, Saint-Cernin, il y en a plusieurs, mais le chevet, non, on ne l'a pas pris. Bon, très bien, on a pris le chevet. Puis... il y avait les toits de Toulouse, c'est vrai, parce que autrefois, quand je faisais connaissance avec Toulouse, il m'était arrivé de trouver les portes ouvertes des tours capitulaires. J'étais monté par l'escalier et j'avais, 2 ou 3 fois, j'avais atterri sur une mirande et j'avais regardé les toits de Toulouse. Et les toits de Toulouse, il y en a vraiment de très beaux. Et en plus, il y a une très grande variété dans les toits de Toulouse. Et j'ai toujours été surpris que les guides touristiques n'en parlent pas et ne proposent pas même des tournées pour les visiteurs de Toulouse, parce que je crois qu'il y en a qui aimeraient ça. Bon, alors, à partir de là, il y avait pour moi une figure obligée. Il fallait qu'il y ait un réfugié espagnol. Bon. J'en avais parlé dans le livre que j'ai fait sur la guerre d'Espagne et les suites. Mais il se trouve que je connaissais très bien un réfugié qui était un personnage dont j'avais obtenu qu'il me raconte sa vie. Ce qui était un exploit parce que ses 3 fils n'avaient jamais réussi à ce qu'il raconte sa vie et notamment sa guerre. Et là, il me l'a raconté et j'en avais un peu parlé. Mais là, j'avais l'occasion d'y revenir et d'autant plus qu'il était décédé. Donc, lorsque j'en avais parlé déjà une fois, il m'avait dit qu'il ne voulait pas son nom, donc je m'étais contenté des initiales, mais là, je pouvais carrément y aller, puisqu'il était disparu.
Et c'était un personnage qui était quand même assez exceptionnel parce que il avait fait la guerre d'Espagne comme beaucoup d'autres, mais ensuite il était allé à Mauthausen, ce qui est déjà, et il en était revenu. Il en était revenu. Ça m'avait passionné la façon dont il m'avait dit qu'il en était revenu. Il m'avait dit que quand il était entré là-dedans, il avait dit j'en sortirai sur mes pieds. Et il y est arrivé. Bon, il est arrivé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc cette histoire était déjà passionnante comme histoire de vie. Et en plus, il avait retrouvé en France une émigrée comme lui, une réfugiée comme lui, qu'il avait épousée, et il avait eu avec elle 3 fils. Ces 3 fils sont, en quelque sorte, chantent une sorte de, j'allais dire, de, pas de cantique, n'exagérons rien, mais enfin, à la gloire des instituteurs français. Car ce sont des instituteurs qui ont dit aux parents, vos enfants ont des moyens intellectuels, il faut faire tout ce que vous pourrez pour leur faire des études. Et bon, le résultat a confié. Alors, je voulais raconter son histoire. Et là, je pouvais le nommer. Et en plus, c'était quelqu'un dont on n'avait jamais parlé. Itinéraire d'un réfugié. C'est vraiment l'itinéraire d'un réfugié. Oui. Ouais. Oui. Et alors, donc, en fait, les 2 derniers textes, si je puis dire, vous concernant, sont sur donc, la librairie Ombre Blanche et les ponts jumeaux que les lecteurs vont pouvoir découvrir. Voilà. Oui, ben, moi, je suis devenu... J'avais un handicap, parce que moi, je ne suis pas toulousain, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Je suis nîmois. Oui. Et très attaché à ma ville natale. Mmh. Bon. Oui. Ça peut passer, quoi. Oui. C'est admissible. Bon, ça passe. Bon, mais cela dit, donc je me suis attaché à Toulouse, mais il fallait en parler, il fallait quand même. Et là, je suis devenu amateur de rugby. Moi qui étais amateur de foot, je suis devenu amateur de rugby, au point que maintenant, je suis même abonné au Stade Toulousain, avec l'une de mes filles, ce qui me permet d'aller une fois par semaine, enfin pas une fois par semaine, une fois par mois en moyenne, passer quelques heures avec une de mes filles. J'apprécie. Alors, voilà, bon, je vois plus, je dois oublier des choses. Ah ben la librairie, bon. Alors, Ombre Blanche. Bon, il se trouve que j'ai... Oui, Ombre Blanche, c'était pas pris à ce moment-là. Ah. Alors, j'ai dit, bon, ben, eh oui, il fallait... Ombre Blanche. J'aurais pu en prendre d'autres, parce que les librairies, quand même, c'est sûr. Et donc, les ponts jumeaux. Bartholomé Mélassant, on va revenir à Dominique Porté, mais très rapidement avant de passer la parole au public. Vous avez aussi, bien sûr, je ne l'ai pas dit au début, vous ne contentez pas de diriger simplement l'ouvrage. Dominique Porté, vous écrivez des textes dedans. Vous écrivez un texte sur Comte. Ah oui, évidemment. Ça allait de soi. Le cornet à dés, La Dépêche, La Librairie Occitania, Priva et Marcel Tourelle. Voilà, un certain nombre donc, de textes. Vous en signez donc également 6, comme pour Bartholomé, hein, c'est ça, 6 textes. Voilà, on va peut-être passer la parole au public, parce que je crois que ça fait quand même presque 1 heure qu'on est... Avez-vous des questions? Alors, tous les auteurs ne sont pas présents, mais vous avez quand même un bel éventail de ce collectif très talentueux. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions, avant qu'on passe à la dédicace? Le livre sort aujourd'hui, hein, je le rappelle, donc... Sinon, on peut passer la dédicace indirectement. Sinon, c'est pas... Alors, juste peut-être avant de... Oui, il y a des personnes qui ne sont pas là, donc, hein, parce que, vous savez, quand vous avez 15 auteurs, vous en perdez dans un voyage, hein, on les a un peu épuisés. Je dirais, donc, il y a Rémi Pêche qui est bloqué à Paris, Christian Autier, je ne sais pas trop, enfin bref, hein, non, mais vous aurez d'autres signatures, hein, et d'autres moments pour rencontrer, je dirais, les auteurs, puisque si je ne me trompe pas, mais je ne vous le dis pas dans l'ordre, mais le 9, je crois, il y a une signature. Où est la dame qui s'occupe de ça? À la préface. Prenez un micro, ça sera mieux. Et à mon avis, vous faites comme vous voulez. Voilà,
Voilà, il y aura une signature le 9 à la librairie Occitania, là, dont j'ai fait un papier, je veux dire, dessus, qui est une histoire assez extraordinaire. Et le même jour, là c'est à 17h30, à 18h30, vous aurez une autre signature chez Floury. Il y aura, voilà, enfin bref, il y a tout un tas de signatures. Chez Privat, il y en aura une aussi, le 17 de mémoire novembre. Hein, c'est ça ? À Colomiers, à la préface, enfin voilà. Bon, écoutez, si vous voulez, hein, on peut vous signer le livre, enfin les auteurs peuvent vous signer le livre, et je vous souhaite le même plaisir que j'ai eu à faire ce livre, je veux dire, en lecture. Hein, voilà, bonne lecture, merci. Merci.